Maintenant, voilà ce que je peux faire, parce que j'ose pas trop que je m'y plante. Maintenant, on va donner ça à un professionnel. Oula. Derrière la caméra. Oula. Moi. Exactement. Et d'ailleurs, du coup, c'est Julien avec qui j'ai construit l'avion. Voilà ce que clairement on peut faire avec un avec le biplan. Voilà, prenez cette train qu'il faut absolument que je refasse d'ailleurs.
À noter que c'est la deuxième fois que je pilote l'avion, donc je le connais pas très bien. Le truc c'est que de base le biplan il offre plus de surface d'aile qu'un monoplan, donc en gros il a plus de portance. Par contre ça induit plus de traînée, en gros il y a plus de frottement avec l'air sur l'avion, etc. Donc en gros il est plus lent. En gros il va avoir une sensation de flottement. D'ailleurs Kevin au début il a dit c'est marrant, c'est ça, j'ai l'impression qu'il flotte, et en fait le vol est plus lent et plus mou, on a une sensation de lourdeur, mais c'est l'inverse en fait. Par contre, le truc, c'est que ça fait faire une voltige qui est plus souple, qui est plus douce, comme sur la vidéo, enfin, j'y suis allé un peu fort, mais voilà quoi. Mais c'est plus doux qu'avec un monoplan ou ce genre de truc en fait. Et d'ailleurs, pour construire cet avion, nous avons réutilisé le moteur et un des cerveaux de mon ancien avion. Et oui, je parle bien de celui qu'on a explosé dans la dernière vidéo. Maintenant, il fait partie intégrante, en tout cas en partie, avec le moteur et le cerveau, de l'avion Saturne, mon nouvel avion.